Les préparatifs vont bon train et nous sommes fin prêt. Déjà, comme vous le constatez, presque toutes les personnalités, toutes les organisations sont enregistrées, enrôlées ici. Et en ce qui concerne, par exemple, la presse, nous avons aujourd'hui une salle de presse qui est fin prête avec Internet, Wi-Fi et tout ce qui va avec les moyens de montage et de facilité pour la presse. À part cela, vous savez que nous avons déjà formé la presse nationale et il y a eu 6 sessions de formation et la dernière formation se clôture cet après-midi et elle est axée sur les discours de la haine. En réalité, il est question de demander aujourd'hui à la presse de nous accompagner à faire en sorte que le dialogue soit un dialogue apaisé. Un dialogue apaisé veut dire tout simplement que les Tchadiens et les Tchadiennes ont besoin de s'entendre, de se réunir, de se discuter et d'échanger. Tous les sujets seront abordés certainement lors de ce dialogue pour la refondation de Nouveau-Tchad.